Ce matin, nous allons un peu parler de l'importance de la prière. Pourquoi est-il important de prier? Nous allons juste prendre quelques minutes pour en parler. C'est un sujet assez vaste, donc on va essayer de prendre juste quelques points. Après, nous allons prier. Matthieu 26, 37 à 41. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Version Parole de vie. Il emmène avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Avant de continuer, j'aimerais vous demander, est-ce que Pierre et les deux fils de Zébédée sont les seuls disciples de Christ? Il commence à être triste et très effrayé. Alors il leur dit, « Mon cœur est triste jusqu'à mourir. Restez ici, restez éveillés avec moi. » Il va un peu plus loin. Il se jette par terre, le front contre le sol, et il prie en disant, « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas comme je veux, mais comme tu veux. » Jésus revient vers les trois disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez pas pu rester éveillé avec moi, même pendant une heure. Restez éveillé et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. » Père, nous te rendons toute la gloire et nous te disons merci. Ô Dieu, ce matin je prie que tu te révèles à chacun d'entre nous. Au travers de ta parole, Seigneur, qu'il y ait un impact certain dans les cœurs pour accomplir tes desseins au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tout à l'heure, j'ai demandé, est-ce que Pierre et les deux fils de Zébédée étaient les seuls disciples? Il a sélectionné trois parmi ceux qui étaient là. Il les a pris à part. Et il leur a dit, priez avec moi. Bien-aimé, tu es un mis à part. Tu es un sélectionné. Tu es un élu. Dieu t'a appelé dans ton couloir. Mais pardon, il faut prier. Ça ne peut pas être effectif si tu ne pries pas. Dormir ne va pas te faire régner. Tu vas juste te reposer. Après, tu auras des coups bas. Tu peux, tu as trop dormi. Mais ça ne va pas faire plus que ça. Il faut prier. Si Dieu lui-même qui est venu sous la forme humaine a eu besoin de prier, qu'en est-il de toi? Est-ce que Jésus n'était pas Dieu? Est-ce qu'il a déposé sa divinité et puis il est devenu simplement homme? 100% homme, 100% Dieu. Il savait, mais il a quand même prié. Comment tu penses pouvoir faire ce à quoi Dieu t'a appelé si tu ne pries pas? Nous avons besoin de prier. Prier doit faire partie de notre quotidien, c'est-à-dire les aspirations les plus profondes de notre âme. De la même manière que tu respires, il faut prier. Si tu peux couper ta respiration pendant 10 minutes, bonne chance. Là, en ce moment, tu ne peux pas prier. Mais si tu ne peux pas couper ta respiration, alors prie. Selon ce passage, la prière permet dans un premier temps de connaître et faire la volonté de Dieu. On remarque que Jésus a dit, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Il n'a pas prié en disant, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Bon, quelle est ta volonté? Bon, apparemment, il y a une affaire de la croix. Non, il savait déjà. Parce qu'il priait.
Quand vous lisez les évangiles, vous voyez toujours qu'il y a une partie, Jésus se retira en un lieu pour prier. Jésus se retira en un lieu pour prier. Jésus se retira en un lieu pour prier. Là, il était à la porte. Il connaissait la volonté de Dieu. Il savait qu'il fallait qu'il passe par la croix. Il était au courant. Et il savait ce que ça allait avoir comme répercussion sur ceux qui l'avaient suivi. Et qui étaient censés avoir la révélation qu'il était le Fils de Dieu. Comment le Fils de Dieu peut être livré aux hommes? Alors, il fallait qu'il prie. Ces trois disciples étaient comme des élites. Mais ils ont failli à leur mission. Quand on voit plus tard, au moment où Jésus a été livré, même au moment où Judas a livré Jésus, il y a une version, un passage, je crois, où on dit que Pierre a coupé l'oreille. Là, il était en plein dans sa chair. Puisqu'il n'avait pas la révélation, il n'avait pas eu l'occasion, il n'a pas compris en fait qu'il devait prier. Vous savez, les disciples ont marché avec Jésus sans le connaître. C'est quand il est parti qu'ils ont compris. Ils ont compris que c'était avec les principes de Dieu qu'il fallait marcher avec Dieu. Et un des principes premiers, c'est la prière. Jésus connaissait la volonté de son Père. Mais là maintenant, il priait pour que Dieu lui donne la force de l'accomplir. Tu peux connaître la volonté de Dieu. Tu peux avoir prié pour cela. Maintenant, quand il te montre, tu te rends compte que c'est trop compliqué. Ce n'est pas le moment de relâcher. Il faut continuer de prier. Comment est-ce que vous pouvez imaginer qu'on va faire l'œuvre de Dieu avec la chair? Quand Dieu t'appelle, c'est avec sa capacité, pas la tienne. Et la meilleure manière pour toi d'acquérir la capacité divine, c'est de prier. C'est quand tu pratiques la prière, au fur et à mesure, il y a une force qui t'est infusée. Et tu es capable d'accomplir des choses que dans ta chair, toi-même tu sais que tu ne pouvais pas faire. Ça, c'est une des premières choses que la prière nous apporte. Deuxièmement, appliquer une discipline personnelle. Papa nous disait parfois ici, comment est-ce qu'il devait se battre pour rester éveillé la nuit pour prier? Prends toutes les dispositions utiles. Parce que l'heure n'était pas au sommeil. Ce n'est pas parce que j'ai sommeil que l'heure est au sommeil. Si tu as un boulot à rendre le lendemain matin à 7h30, tu vas aller dire à ton boss que non, vraiment boss, oui. Toi, tu me disais que minuit, c'est mon heure où je dors. Donc, je n'ai pas pu faire le travail. Toi-même, tu connais ton sort. Si tu as du boulot à terminer, tu vas prendre tout ce que tu sais, comme café noir, l'eau glacée, tu vas prendre tout ce que tu peux faire. S'il faut même retenir tes yeux comme ça, pour ne pas dormir. Bien-aimé, la prière n'est pas le fait des situations urgentes. La prière est une urgence. Tu ne pries pas parce qu'il y a urgence. Tu pries parce que c'est une urgence. Tu n'attends pas que ce soit chaud d'abord. Que tu sois dans une situation compliquée. Et puis là, maintenant, tu te lèves et puis tu commences. Le diable t'a déjà vaincu il y a peut-être 20 ans. Peut-être tu as tardé dans la prière. Lui t'a déjà devancé. Le diable t'a déjà devancé. Parce qu'il sait que tu es paresseux. Donc lui commence très tôt. Quand toi tu en es prié, c'est peut-être pour amortir. Sinon, c'est trop tard. Donc n'attends pas, c'est pas une affaire de, il faut que, quand l'adage là, il faut battre le fer quand il est chaud. Que ton fer soit toujours chaud alors. Pourvu que tu pries. Pourvu que tu pries. Que tu n'attendes pas que ça urge pour le faire. Avec la manière dont on va actuellement dans le monde là. Tu n'as pas prié? Il faut t'inscrire dans la chaîne de prière, s'il te plaît. La prière nous donne d'appliquer une discipline personnelle. C'est-à-dire qu'on n'obéit pas aux aspirations. On va même dire parfois même aux ordres de la chair.
De la même manière qu'on jeûne, même quand on a faim, c'est de la même manière aussi qu'on prie, même quand on n'a pas envie. On n'attend pas une inspiration. Non, je ne sens pas que je dois prier ce matin. Je dois sentir d'abord que le Seigneur me parle. Là, j'étais là comme ça, puis je dis, va prier, va prier, va prier. Mais si je ne sens pas, va prier, va prier, va prier, c'est que je peux regarder la télévision. Pourquoi tu veux que le Saint-Esprit te dise ce que tu as à faire quand tu sais que c'est ce que tu as à faire? Pourquoi? Pourquoi tu veux qu'il soit dans tes oreilles comme un magnétophone? Pourtant, toi-même, tu connais la vérité. Tu sais que tu dois prier. Est-ce pour manger de demander pardon? Ce sont les enfants, eux, ils ne connaissent pas. Donc, peut-être ils peuvent jouer pendant qu'il faut manger. Mais toi, ça te demande pardon. Tout dépend de ce que tu aimes faire. Tout dépend de ce que tu aimes faire. Si tu aimes manger, on ne te demande pas pardon. Si tu aimes travailler, on ne te demande pas pardon. Si tu aimes prier, on ne te demande pas pardon. Voilà pourquoi on a dit nous enseigner à prier pour aimer prier. Parce que même si tu pries, que tu n'aimes pas le faire, on dit de prier, ils sont là, ils insistent. Attends, j'ai prié. Peut-être que ça va m'éviter quelque chose. Ton cœur n'accompagne pas ce que tu dis. Alors que c'est important quand tu t'adresses à ton Père. Toi-même, quand on te parle et puis la personne te regarde ailleurs, ça ne te plaît pas, non? Mais c'est de la même manière quand tu pries, tu regardes ailleurs. Tu t'adresses à la personne et puis tu fais comme ça. Ça ne te plaît pas? Mais c'est quand tu t'adresses à Dieu aussi, quand tu ne prends pas au sérieux le temps que tu passes avec lui. Troisièmement, faire face aux tentations de l'esprit du mal. Le diable rôde et rôdera toujours, jusqu'à la fin. Il va toujours chercher une opportunité, une occasion de nous faire tomber. Quand tu pries, tu es averti. Quand tu pries, tu fais attention. Quand tu pries, tes sens spirituels se mettent en éveil. Il y a des choses qui ne peuvent jamais t'arriver parce que tu pries. Jésus savait qu'il fallait que les disciples prient. Parce qu'après, quand il s'est rendu compte que Jésus n'a pas résisté, quand ils sont venus le chercher, ils ont fui. Parce que certainement, dans leur entendement, jusqu'à la dernière minute, Jésus va révéler qu'il est Dieu. Il va les mettre en déroute. Et puis eux derrière, ils seront contents. Voilà, nous on vous a dit que c'est le Messie. Mais à leur grande surprise, on a arrêté le Messie. Ils se sont mis à fuir. C'est tout ce que leur chair permettait de faire. Prends garde à ta vie. Dieu ne te demande pas de prier pour t'embarrasser, pour t'ennuyer, pour te mettre mal à l'aise. Il te demande de prier pour ton propre bien. Parce que celui qui est ton ennemi, le diable, comme je l'ai dit, ne t'aime pas. Donc, vous savez qu'il y a des vols dans le quartier. Vous allez dormir tranquille? On t'a même informé qu'il va bientôt arriver chez toi. Tu as dormi? Caméra de surveillance, gardien. Quoi encore? Chien. Et puis toi-même, tu es assis là comme ça, et puis tu as tapé ta poêle. L'autre a tapé couteau. Et puis vous dormez comme ça. Parce que vous ne savez pas à quelle heure il va débarquer. Mais la prière, c'est comme ça. Tu te mets au garde à vous. Si les disciples étaient habitués à prier, est-ce qu'on leur demandait pardon? Ils auraient réussi à vaincre ce problème-là de pesanteur, de sommeil et tout. Ils auraient réussi au fur et à mesure. Parce que tu peux peut-être commencer à prier dans les premiers instants, oui, tu dors. Après, tu te rends compte que c'est une distraction. Donc, tu redoubles dans la prière, tu continues, à un moment donné, là, tu résistes. Mais quand tu commences 1, 2, 3, moi-même, là, je ne sais pas, je dors. C'est vraiment, Seigneur, c'est difficile. Que ta grâce me vienne en aide, Père. Que ta grâce me vienne en aide. Ta grâce, Seigneur. Ça, là,
Ça ne va pas te rendre spirituel. Parce qu'il va te faire grâce, comme tu dis là. Mais tu n'auras que le minimum de lui. Ce que tu dois obtenir quand tu pries, quand tu es en connexion permanente avec ton Dieu, désolé, mais tu n'auras pas. Ce n'est pas qu'il fait de la discrime. Non. C'est sa parole. Il faut la mettre en pratique. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. Hein? C'est notre chair qui nous fatigue. La Bible dit que Dieu a fait notre chemin droit, mais ce sont les hommes qui cherchaient des détours. Si on n'a pas autant de problèmes avec nous-mêmes, là, ce qui demande des faits, puis ce n'est pas compliqué. Là. On va faire. Et c'est toi, femme, quand tu veux parler, on te demande pardon. C'est l'illustration que je donne. L'illustration que je donne, femme, quand tu veux te parler, on te demande pardon. Et puis, avant ça, tout ça, la femme, elle dit à Dieu, il va t'écouter. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est dans la prière que notre foi naît et grandit. La prière participe essentiellement au développement de notre foi. Tu pries sur la base de ce que tu as entendu. Quand tu entends la parole, tu es boosté, tu es encouragé, et puis ça te pousse à prier. Pourquoi? Parce que si tu pries sans croire qu'il t'exauce, tu ne fais que réciter des paroles. On va appeler ça même incantation. Mais incantation, parfois même ça m'appelle. C'est lui qui dit même là, il croit. Quand tu pries, ne mets pas la foi à côté et puis tu tombes maintenant par là à Dieu. Mais comment tu fais pour avoir la foi? C'est quand tu lis, quand tu es en contact permanemment avec la parole de Dieu. En ce moment, la parole te conforte en te disant, voilà comment tu dois prier. La parole de Dieu se comportera dans ce domaine-là comme une notice, un mode d'emploi pour une prière efficace. C'est Dieu qui va te montrer comment tu dois prier au travers de sa parole. Et la première chose qu'il te demande, c'est de croire. Il dit, approche-toi avec assurance du trône de la grâce. Nous prions dans le seul but d'être écoutés et exaucés. Quel que soit ce que nous demandons à Dieu, nous espérons un exaucement. Ce n'est pas pour causer. C'est vrai, on peut échanger avec lui, mais on espère en retour toujours quelque chose. Ce qui va accompagner ce qu'on espère là, c'est la foi. Même si tu as commencé à prier dans l'incertitude, mais au fur et à mesure que tu persévères, tu finis par prier avec foi. Et ta prière devient efficace. Elle va, et puis ça, plein dans le mille. Tu n'échoues pas quand tu pries. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Marc 9, 14 à 29. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. » En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?»« Depuis son enfance, répondit-il. » Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Dieu n'aime pas les prières comme ça. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. »
Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Jésus priait. Lui-même, il dit, c'est par la prière. Mais pourtant, il a dit, sors de cet enfant. Parce que lui-même, là, il pratique la prière. Étant enfermé dans la chair, si tu ne pries pas, c'est compliqué. Il y a trop de choses qui te viennent comme ça, des tentations. En tout cas, le diable a fait en sorte que les opportunités de pécher contre Dieu là, se multiplient jour après jour. Donc, ce type de démon, il faut avoir une vie de prière. C'est un exemple, une illustration pour dire encore que les disciples ne priaient pas. Nous devons avoir une vie de prière. C'est vrai, peut-être qu'on n'est pas amené à chasser l'esprit. Mais il y a des défis que nous traversons. Il y a des situations que nous vivons ou que nous voyons d'autres personnes vivre. Par la pratique de la prière, nous avons du discernement. Cinquièmement, la vie de prière nous prédispose. Il y a des situations qui arrivent pour lesquelles on ne va pas courir pour aller prier d'abord avant de revenir. C'est la pratique quotidienne de ta vie de prière qui va t'aider à faire face à ce qui est devant toi. C'est pour ça que j'ai dit au début que ce n'est pas le fait des situations urgentes. Parce que si... Là, c'était une situation qui était urgente. Si Jésus ne priait pas, l'enfant aurait continué à souffrir sous l'emprise de ce démon. Vous ne savez pas, nous ne savons pas où Dieu veut nous emmener. Nous sommes tous conscients que Dieu nous a appelés. Mais il ne nous a pas donné la feuille de route. Il ne nous a pas dit, voilà où tu as parti. Bon, de lundi à mercredi, tu seras ici. Voilà ce que tu vas faire, voilà ce qui va se passer. De 1h à 2h30, de 3h à 4h30. Mais quand il nous demande de prier, nous, c'est une opportunité en fait que nous donnons à Dieu, c'est une possibilité, une permission que nous lui donnons de travailler en nous et de nous préparer à ce à quoi nous ne sommes pas encore prêts. Et c'est réservé au Fils de Dieu. Ta prière est différente du païen. Parce que tu sais à qui tu t'adresses. À celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc pour toi, prier doit être un style de vie. Une manière de fonctionner. Parce que tu ne peux pas vivre toute une journée sans parler à quelqu'un. Et on te dit que cet esprit est avec toi au quotidien. Et quelqu'un qui marche avec toi tous les jours, tu ne lui parles pas. Vous êtes imparlable. Si tu es avec tes frères, tes soeurs à la maison ou avec ton conjoint, vous faites deux jours sans vous parler. On va vous demander si vous n'êtes pas imparlable, non. Mais c'est la même chose pour cet esprit. Hein? Tu parles à Dieu sporadiquement. Comment tu fais pour découvrir ton appel? Ton appel, là, tu le découvres comme ça. Et puis après, ça se déploie comme ça, doucement, doucement. C'est au fur et à mesure qu'il se révèle à toi. Quand il voit que ton niveau de compréhension a grandi, a grimpé, il dit, maintenant, je peux passer à un autre niveau avec toi. Mais sans prière, tu n'évolues pas. Ce matin, bien-aimé, je te demande une chose. C'est de réenvisager ta manière de vivre en faisant de la prière quelque chose de primordial pour toi. Ne ramène pas la prière à ta tête, ramène-la là. Parce que quand tu aimes, tu as envie de parler avec.
Donc si tu aimes Dieu, tu n'auras aucun problème à parler avec lui. Et plus encore, tu ne vas pas le voir comme quelqu'un qui est là pour te donner ce que tu désires. Bon, Seigneur, aujourd'hui, j'ai rien à te dire. Hein, ça va pour moi. Actuellement, mes besoins sont pourvus. Merci beaucoup. Je te reviendrai plus tard. Il ne s'agit pas de ça. On dit, tu pries pour connaître la volonté de Dieu. Nous devons nous attendre à tout de lui. Mais ce ne sont pas des mots qu'on lance comme ça. Ce sont des mots qu'on doit vivre. Raison pour laquelle nous allons prier. Tu vas te tenir debout et nous allons prier.